Bonjour. Aujourd'hui, avant d'aller au jardin du Luxembourg, je me suis un peu posée en terrasse. J'ai lu le livre sur le photographe Henri Cartier-Bresson que j'aime beaucoup. Et j'aurais voulu continuer à le lire ici, mais mon copain a voulu visiter le parc. Le jardin du Luxembourg, situé au 6e arrondissement, est mon jardin préféré de Paris. Parce que c'est un jardin paisible. On peut passer du temps en faisant ce qu'on veut faire sur cette chaise verte. On peut jouer aux échecs avec ses copains. On peut jouer aux cartes. Et on peut jouer au tennis. Il y a même des supérettes pour acheter du goûter. Dans ce parc, il y a beaucoup de statues. Ici, c'est la reine Marie de Médicis. Il y a du vent, c'est un temps parfait pour faire du pique-nique. Là-bas, le bâtiment qu'on voit, c'est le Sénat. Il y a des poissons qui nagent dans ce bassin. Il y a plus de poissons que j'avais pensé. Il y a des petits bateaux de différentes couleurs. Ce sont des bateaux qui représentent des pays. Regardez le canard, il est mignon avec ses ailes. C'est un jardin verdoyant et paisible. J'espère que vous avez pu vous reposer avec ce vlog. Au revoir, jardin du Luxembourg. Mon copain est en train de prendre des photos pas très loin du Sénat. Comme il prend des photos de rue, on peut visiter tous les coins de Paris en marchant. C'est la fontaine à côté du jardin. Là-bas, vous apercevez le Panthéon. Panthéon est le mausolée laïque accueillant les cendres d'éminents citoyens français. Maintenant, allons-y au Häagen-Dazs. Un jour, toutes les glaces vont être faites comme ça. J'adore Häagen-Dazs. Je prends tout le temps le même parfum. J'ai pris une boule au chocolat belge. Avec un échantillon, quelque chose, madame ? Non, merci. Et mon copain a pris une boule au cherry and blackberry. Comme il fait beau, nous allons marcher jusqu'à l'île Saint-Louis en mangeant nos glaces. Ici, c'est l'entrée de l'île Saint-Louis. Vous voyez le Panthéon là-bas? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des reels, des courtes vidéos dans les rues. Vous aimez le jazz? Je suis allée au plus vieux bar américain en Europe. Je vous le recommande vivement. C'est Harris Newell Bar. Ici, il n'y a qu'un seul accompagnement, c'est ce hot dog américain. Les cocktails sont plus chers que les autres bars, mais on peut écouter du jazz en live. Voilà, mon vlog se termine avec ce morceau de jazz. À bientôt !